Bonjour, Lézé Alexis, j'ai 25 ans, je suis dans ma deuxième année de CAP menuiserie fabricant et l'année dernière j'ai fait un CAP constructeur bois ici à Fougères, à la faculté des métiers. Bienvenue à la faculté des métiers de Fougères, nous sommes sur un établissement de 450 apprenants. Notre établissement est situé au centre-ville de Fougères, qui est une ville très dynamique. On propose des formations sur le site de Fougères sur trois grands dispositifs, l'alternance, formation continue pour les demandeurs d'emploi, mais également un dispositif pour des jeunes en prépa apprentissage. J'ai choisi l'apprentissage parce que ça me permet d'avoir un lien entre la pratique et la théorie et d'acquérir de l'expérience pour pouvoir plus facilement trouver un emploi après. Nous proposons des formations sur quatre grands pôles, pôle métier du bois et du bâtiment, le pôle métier de l'alimentaire, le pôle métier de la coiffure et le pôle métier de l'automobile. Une des forces de la faculté des métiers, c'est d'être dotée de plateaux techniques récents pour chaque formation qui permet de coller aux réalités des entreprises et de former nos jeunes à tous les gestes nécessaires pour acquérir le métier. Nous aidons les jeunes n'ayant pas trouvé d'entreprise, donc en réalisant des ateliers de technique et recherche d'emploi. L'inscription est ferme à partir du moment où le jeune a trouvé l'entreprise. La pédagogie à la faculté des métiers s'appuie sur les principes de la pédagogie de l'alternance, avec des sessions de formation en entreprise et des sessions de formation en centre. La formation qui a lieu en centre est en complément de la formation qui a lieu en entreprise. L'apprentissage repose sur un partenariat étroit entre un centre de formation d'apprentis et une entreprise formatrice. Je trouve qu'à la faculté des métiers, il y a vraiment des enseignants passionnés et passionnants. Et on peut également échanger sur leur expérience et leurs connaissances qui m'apportent vraiment pour m'améliorer dans ce métier. Nos enseignants sont des spécialistes dans leur domaine, aussi bien dans l'enseignement général que l'enseignement professionnel, donc ce sont des personnes d'expérience. Plusieurs actions sont mises en place tout au long de l'année. Donc il y a une rencontre parent-employeur-entreprise qui est réalisée sur le site de la faculté des métiers de Fougères. Chaque groupe classe donc, est suivi par un professeur tuteur. Et ce dernier réalise une visite en entreprise sur chaque année de formation pour faire le bilan en entreprise. Avec l'administration, si ça se passe très bien, enfin, ils sont à notre écoute, c'est bien, je trouve. Enfin, il y a un bon suivi des apprentis. La faculté des métiers encourage ses apprenants à participer à des concours type Meilleur apprenti de France ou Olympiade des métiers. Le fait de participer à ces concours, c'est un vrai plus pour nos jeunes, une vraie plus-value à faire valoir aussi auprès des entreprises. La faculté des métiers organise des actions de sensibilisation et de prévention auprès des apprentis. Cette qualité pédagogique additionnée à la qualité des entreprises qui sont partenaires de la faculté des métiers permettent de former les professionnels, mais également, on y tient beaucoup, les citoyens de demain. Nous sommes engagés dans les programmes de mobilité internationale, notamment par le biais des programmes Erasmus+, ce qui permet à nos jeunes de vivre des expériences humaines et professionnelles uniques et très enrichissantes. Au plaisir de vous retrouver à la faculté des métiers de Fougères.